Voici à quoi ressemble la dalle sommitale du Schwabberg. Altitude 524 mètres. L'endroit est particulièrement sauvage et isolé, presque pas fréquenté, surtout en ce sommet. L'endroit se révèle particulièrement mystérieux. J'ai du mal à retrouver mes repères. Je semble perdu. Et pourtant, au cap Plein-Sud, je réussis malgré tout à trouver deux points de repère importants du secteur, à savoir deux ruines de château. La Wengelburg à gauche, ainsi que la Hohenburg à droite. La Wengelburg est déjà située en territoire allemand, alors que la Hohenburg, elle, est encore située en territoire français. Le Schwabberg où je me trouve, je dois vous le rappeler, se trouve en territoire allemand, dans le Palatinat. Un regret cependant, les frondaisons étouffantes, résineuses, ont mangé le beau panorama qu'il y avait ici à l'époque. C'est très dommage, mais l'intérêt du Schwabberg réside ailleurs. Et surtout, quel silence ici! C'est à glacer le sang. Un must absolu.